J'ai eu deux successeurs, tout d'abord M. Pascal Lamy, et puis M. Tommaso Padoa-Schioppa, dont j'évoque ici avec beaucoup de tristesse la mémoire, puisqu'il nous a quittés brutalement à la fin de l'année dernière. J'ai connu Notre-Europe avant même qu'elle naisse, parce que j'ai un lien avec Jacques Delors qui date depuis 1979, quand j'étais à la Commission et lui, il avait été élu au Parlement européen. Et ça a été une coopération qui s'est développée à travers des années et des années sur plusieurs questions. Quand il a fondé Notre-Europe, j'étais membre de ce comité d'orientation. Et en 2005, quand j'ai terminé mon service à la BCE, c'est Jacques Delors qui m'a demandé de devenir président de Notre-Europe. Il a porté Notre-Europe à un niveau de renommée internationale que ce think tank n'avait pas eu depuis sa création. Et ses interventions personnelles s'ajoutaient au travail collectif de l'équipe de Notre-Europe.